Bonsoir, nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoires et traces de la spoliation, organisée par l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture avec l'Institut national du patrimoine. La reprise, après l'interruption estivale, trois mois, notre précédente séance avait lieu le jour de l'été, et nous reprenons donc le jour de l'automne, ou selon les théories, aujourd'hui ou demain. Merci en tout cas d'être présent à nouveau ici. Merci aussi au public qui nous suivra plus tard en vidéo sur YouTube. Nous sommes, je le rappelle, dans la cinquième saison de ce séminaire qui a débuté en 2019, animé alors par Inès Rothermund-Reinhardt toute seule. Et nous sommes toujours heureux de pouvoir continuer une nouvelle fois pour évoquer les questions et les enjeux de la spoliation sous différentes formes, à travers différentes disciplines. Et merci toujours à l'INHA et à l'INP, l'Institut du patrimoine, qui rendent ce rendez-vous possible presque chaque mois. Il y a eu 36, 37, 38 séances, je crois. Et il y a toujours du monde à ces rendez-vous. Alors, cette reprise s'effectue dans un cadre légèrement différent. Ça ne changera rien à la séance de ce soir, mais pour ceux qui suivent l'actualité de l'Institut national d'histoire de l'art, ou l'actualité des musées, ou l'actualité de la recherche de provenance, vous savez sans doute, et sinon je vous l'apprends, qu'Inès Rothermund-Reinhardt a rejoint tout récemment, le 1er septembre dernier, le musée d'Orsay, comme chargée de recherche en provenance. Donc, ça tombe très très bien, évidemment. C'est une très bonne nouvelle, vous avez raison d'applaudir, pour le musée et pour nous tous, vous l'avez vu, même si Inès a d'ailleurs intervenu deux fois ou trois fois pendant le séminaire, tant son, le mot n'est pas très bien choisi, grande et importante et capitale, ses qualités de chercheuse et de spécialiste de la période, notamment, mais parmi bien d'autres choses, des exilés ayant fui l'Allemagne nazie, et toute l'expérience de recherche, la connaissance des archives qu'a Inès. Donc, c'est très important, je crois, pour le musée d'Orsay, pour nous aussi, au ministère de la Culture, à la mission de recherche, et nous conservons une interlocutrice proche et une partenaire et une amie ainsi de la mission. Et par ailleurs, le projet RAMA, Répertoire des acteurs du marché de l'art, de l'INHA est toujours là, bien sûr, et vous verrez dans le programme que nous en reparlerons en décembre avec les dernières publications qui seront faites à ce moment-là. Donc, comme vous l'avez vu sur Internet, parce que le dépliant n'a pas encore été imprimé, mais il le sera pour les prochaines séances, il y a donc une programmation qui court jusqu'à décembre, et comme convenu avec l'INHA, remercie l'Institut aussi. Inès continue d'assurer l'animation et la présentation de ces séances prévues jusqu'à décembre. Et donc je crois qu'on peut, mais vous avez déjà applaudi, remercier et féliciter Inès pour la construction de ce séminaire dans le cadre du projet Répertoire des acteurs du marché de l'art de l'INHA, que la mission a rejoint la deuxième année. Et Inès qui a lancé ce mouvement, ce beau mouvement, et vous êtes là, donc je crois que c'est aussi le signe du succès. Alors pour en venir à la séance de ce soir, pardon d'être un peu plus long aujourd'hui, c'est une séance consacrée, comme vous l'avez vu, aux archives et aux sources de la recherche, mais aussi peut-être une séance un peu spécialisée Ville de Paris, puisque consacrée aux collections Roger Viollet, qui relève de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, et aux archives de Paris. Alors, autre petite particularité du jour, je dois tout de suite vous dire que, malheureusement, Vincent Tuchet, l'un de nos deux intervenants, ne sera pas là aujourd'hui. Il n'a pas pu nous rejoindre. Il a eu un petit accident, mais qui l'empêchait de prendre la parole et de se déplacer aujourd'hui. Il nous dit que c'est sans gravité, donc ne nous inquiétons pas. Il nous charge de l'excuser, mais je crois que nous lui souhaitons surtout de se rétablir le plus vite possible. Et puis, nous songeons évidemment à reprogrammer la séance avec lui. Nous avons une intervenante qui est bien là, Delphine Desvaux, merci, directrice des collections Roger Viollet et conservatrice à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Inès fera la présentation dans un instant. En tout cas, ce qu'on voulait souligner, c'est que évidemment, la venue de Delphine Desvaux aujourd'hui s'inscrit dans notre souhait d'aborder la recherche sous différents angles. Nous n'avions pas beaucoup parlé de photographie, de collection de photographie, comme source pour étudier les spoliations, pour faire de la recherche de provenance et peut-être pour retrouver des œuvres. C'est tout cela que nous souhaitons aborder aujourd'hui avec Delphine Desvaux, en parlant
d'un fonds qui est très riche, de collections qui sont très riches, dont le nom est assez familier, mais que sans doute nous ne connaissons pas très bien. Nous y reviendrons. Donc il n'y aura pas deux dialogues, un dialogue entre deux agents de la ville de Paris, comme prévu initialement, mais nous aurons beaucoup de choses à dire, enfin surtout à écouter, grâce à Delphine sur la collection Roger Viollet. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, David, pour cette introduction et évidemment ce séminaire. Donc, je vous remercie tous aussi. Il existe grâce à vous et cela depuis 2019. Donc, effectivement, ça fait un moment. On se retrouve ensemble quasiment tous les mois et même pendant la période du Covid, on a réussi à maintenir à peu près le rythme de la programmation. Donc, je ne vais pas être très longue ce soir. Je suis donc ravie de vous retrouver. Malheureusement, comme David l'a dit, Vincent Touchet n'est pas parmi nous ce soir, mais j'espère, bien sûr, comme David, qu'il pourra revenir dans le cadre d'une autre séance ou à une autre occasion. Je pense néanmoins que nous avons de belles découvertes à faire ce soir. Je suis donc très contente de cette séance, que cette séance soit dédiée à la photographie. Nous n'avons parlé que peu de photographie dans le cadre de ce cycle de séminaire. Je me rappelle d'une très belle intervention, peut-être vous aussi, de l'artiste photographe Arnaud Giesinger en janvier 2020. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté à cette séance, je vous invite à revoir cette séance sur YouTube. Arnaud nous avait présenté son projet Invent Arisirt, un travail à la fois de documentation photographique de mobilier spolié à des familles juives que l'État autrichien souhaitait restituer aux ayants droit de ces familles 60 ans après. Mais également un travail artistique qui a mis à l'épreuve la représentation du passé et qui a interrogé le statut des images photographiques. Je le cite, les images photographiques possèdent cette étonnante capacité à révéler la vie des objets et parfois même à témoigner de leur disparition, disait Arnaud lors de sa conférence. 3 ans et demi plus tard, après la pandémie du Covid, donc, et malgré elle, nous continuons à nous interroger sur les conséquences de la perte et de la disparition des biens culturels. Et nous sommes donc très contents ce soir d'accueillir Delphine Desvaux dans le cadre de ce séminaire. Delphine est docteure en histoire de l'art. Elle est directrice des collections Roger Viollet et conservatrice à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Chargée de la conservation des collections Roger Viollet, de leur signalement et de la valorisation patrimoniale depuis 1997, elle est commissaire d'exposition et auteure. Elle écrit sur l'histoire de la photographie en particulier, mais aussi sur l'histoire de l'art et ses rapports avec la littérature du XXe siècle. Je cite que quelques titres parce qu'elle a beaucoup publié. Donc, par exemple, Pierre Choumoff, un Parisien russe, paru en 2005, Henri Roger Truc et Trucage, pardon, je prononce mal, paru en 2008 aux Rencontres d'Arles. Portrait d'écrivain, jour de guerre Excelsior. Enfin, voilà, je vous invite de consulter peut-être sa page bio. En tout cas, elle a beaucoup publié. Aussi concernant le sujet de ce soir, constitution d'une collection pratique, circuit des tirages photographiques et conventionnement, Roger Viollet, le point de vue d'une agence historique. Donc ça, c'est paru dans la revue des patrimoines ministère de la Culture 2019, donc plus récent. Et aussi, avec Aurel Crasson, elle dirige le séminaire du laboratoire ITEM de l'École normale supérieure dédié à la génétique du photographique. Elle est intervenue dans de nombreux colloques et séminaires en France et à l'étranger, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est également membre des groupes de travail sur la conservation des supports en nitrate de cellulose et la numérisation des photographies au ministère de la Culture, délégation Inspection, Recherche, Innovation, Direction générale des patrimoines de l'architecture. Et parmi les dernières parutions, je vous cite juste quelques titres, Marcel Proust en photographie, un amateur non pratiquant, Paris Musée, Musée Carnavalet 2022, Les mémoires multiples de Roger Viollet, paru dans Photographica numéro 4, avril 2022, Léopold Mercier, un photographe au garde-meuble au XIXe siècle, paru, enfin c'était des publications des actes colloques 2023, donc je suppose que c'est prévu, ou peut-être c'est déjà sorti. Et plein d'autres collaborations et publications en vue.
Donc, je m'arrête là parce qu'on va découvrir donc l'histoire absolument étonnante de ces collections Roger Violet, et j'espère aussi qu'elle nous indiquera donc des voies d'accès à ce patrimoine visuel et absolument pas négligeable pour la recherche de provenance. Donc voilà, merci d'avoir accepté cette invitation et je vous cède la parole. Merci. Bonjour. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis absolument terrifiée. Vous allez comprendre au bout de quelques diapos pourquoi je le suis. Donc, effectivement, merci beaucoup aux organisateurs, à Inès et à David, de me recevoir, de parler de photographie, de les mettre en valeur, mais vous allez voir qu'on vient de loin et que ce à quoi on tend est vraiment une gageure. Donc je prends et je fais vers la régie. J'ai pris le parti, puisque les collections ont effectivement un nom qu'on voit tous dans nos livres scolaires dès l'école primaire, de vous raconter rapidement l'histoire des collections, en tendant à chaque fois au sujet qui nous occupe pour arriver à quelque chose de précis. Aussi pour vous expliquer, encore une fois, de là où je parle. J'ai beaucoup pensé à Jankélévitch dans les derniers jours et à sa définition de la gaffe. La gaffe, c'est quelque chose qu'on fait devant les mauvaises personnes, parfois au mauvais moment ou au mauvais endroit. J'ai le goût de la difficulté, je ne vais pas faire de gaffe. Vous êtes les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. N'empêche que ce que j'ai à dire est parfois plus qu'inconfortable et ce que je vais vous faire lire est au-delà de l'inconfortable. Donc je vous présente Hélène Roger et Jean Fischer. Elle est née en 1901, il est né en 1905. On ignore complètement les études que lui a faites. Il est en tout cas entré à la Légion étrangère en 1925, arrivé à Paris probablement au début des années 30. Elle est, elle, née à Paris d'une famille d'ingénieurs et de femmes émancipées. Elle a fait ses études à l'École des hautes études sociales, section journalisme, où assez tardivement, elle a rencontré donc Monsieur Fischer, qui se faisait passer pour autrichien et qui était allemand. Elle corrigeait ses devoirs parce qu'il écrivait pas du tout bien français. Ils sont tombés amoureux, ils sont restés ensemble. Et cette photographie donc date de 1936. Dès le début, ils sont intéressés par la photographie. Elle la pratique avec son père depuis qu'elle est enfant. Et ils vont, toute leur vie, constituer des collections de photographies. Il y a quelque chose de très important pour ces deux personnages, des fois j'ose même pas parler de personnes tellement ils se mettent en scène, c'est d'être dans la photo. Toute leur vie, ils vont tout faire pour être dans la photo. C'est une entreprise de tous les instants, c'est de la collection, c'est une espèce de photographomanie qui ne s'arrête pas. Là, ils sont donc chez le peintre Rivière où monsieur photographie madame, madame photographie monsieur, le tout étant de coller au tableau qu'on connaît, à l'image de faire partie de l'histoire. Il y a un énorme appétit de leur part quant au fait de faire partie de l'histoire. Leur histoire, ils la constituent. Je vous laisse le plaisir, lentement, mais ne prenez pas trop vite, de lire ce qu'ils écrivent. Donc, je vous disais, ils veulent être dans la photo. La légende dit qu'en 1938, il passerait devant l'agence de Laurent Olivier, ouverte depuis 1880 au 6 rue de Seine, et que voulant faire une exposition rétrospective sur les expositions universelles et internationales, ils aient été handicapés par le fait qu'Henri Roger, le père d'Hélène, Chauvin, n'avait pas photographié les pavillons allemands des différentes expositions. Miracle, Laurent Olivier aurait eu les photographies des pavillons allemands, il se serait lancé. Plus le temps passe, plus je creuse, plus je trouve, plus il s'avère que le storytelling est énorme au niveau d'Hélène Roger et Jean Fischer. En réalité, Laurent Olivier diffusait les photographies d'Henri Violet, l'archéologue, oncle d'Hélène. Albert Harling, dont ils achètent la collection au début des années 60, échangeait déjà avec Henri Violet. Tout ça est un vivier. Toujours est-il qu'en 1938, la famille d'Hélène Roger, un peu blasée de ne pas l'avoir travaillée, lui donne de l'argent pour acheter l'agence de Laurent Olivier. Ils vont travailler toute leur vie à enrichir les fonds qu'ils ont acquis. Mais dans le même temps, ils font beaucoup de voyages.
Et dans le même temps, après être passé chez Rivière, après être passé par d'autres, après avoir lu, après avoir pensé savoir, ils se mêlent d'écrire. Ils essaient d'écrire sur tout, tout le temps, partout. Plus ils voyagent, plus ils écrivent. Plus ils écrivent, plus ils se pensent écrivains. J'ai l'impression qu'ils se prennent pour un mélange de Robert Capa et de Kessel. Ils n'ont aucun surmoi dans ce qu'ils expriment. Tout est extrêmement brutal, toujours. Il n'y a pas de mise à distance, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'empathie, c'est factuel. Ils organisent leur voyage en allant chez Air France, en commandant les billets, et M. Fischer l'écrit, c'est l'hôtesse qui fait le voyage. Elle lui prend ses billets, ensuite ils font le voyage. Donc là, je vous laisse lire. Alors dites-moi si vous n'arrivez pas, je prends mon courage à deux mains. Ça va piquer, tout va piquer, il y a 4 diapos qui piquent. Beaucoup. Nous sommes donc à Java, en 1962. C'est écrit par Hélène Roger. Ce peuple est resté charmant et sympathique. Son rire clair éclate facilement. Ils sont d'un naturel bienveillant et accueillant. La race est tout à fait à part. C'est une race qui n'est ni hindoue, ni asiatique, aux yeux obliques. C'est la race autochtone, sûrement plus pure ici qu'à Jakarta. Ils sont petit, râblé, les yeux tout ronds, avec un regard très ouvert, quelque chose à la fois de franc et de candide. On sent que c'est un peuple jeune encore, naïf, ouvert. On est dans le soft, dans le très très soft pour notre maison. À chaque fois qu'on lit, alors on a la totalité des tapuscrits retranscrits par nos anciens collègues, des écrits d'Hélène Roger et de Jean Fischer. J'avoue que celui-là, sur les aborigènes, il est écrit, la version que je vous donne est écrite par Hélène Roger. On a l'équivalent par Jean Fischer. Je vous le lis. Allez, de toute façon, je crois que vous ne pouvez pas lire. Les aborigènes, les noirs australiens que nous avons pu voir dans la réserve de Bagot sont d'une laideur repoussante. Ils sont très noirs, d'un noir gris et non du beau noir d'Afrique. Les tout petits enfants ne sont pas encore trop laids, mais dès 10 ans, les traits bestiaux, affreux, s'affirment. Des jeunes filles de 15 ans, gaies et aimables de caractère, ont des visages tellement affreux qu'on oublie toute la gentillesse de leur comportement. Les nègres d'Afrique sont réellement très beaux à côté des noirs australiens, et beaucoup plus évolués, même au cœur du continent africain. L'aspect de ces noirs australiens n'est pas à proprement parler simiesque. Ils ont plutôt l'aspect d'une race dégénérée, tarée. Un grand nombre ont une cassure au milieu du nez et sous cette ride profonde qui coupe leur visage, la base du nez s'étale, énorme, en pomme de terre. Ils ne doivent pas se trouver laids, car ils se laissent gentiment photographier quand on a distribué des bonbons aux enfants et montré aux parents l'image mouvante dans le viseur. Donc, nous sommes en Australie. Monsieur Fischer fait un tapuscrit identique, exprimant que vraiment, une dame qui s'est posée devant son appareil photo, c'est pénible, elle lui a gâché de la pellicule. On est au début des années 60. Je continue avec le début des années 60 qui est dans leur tête, leur moment, leur très grand moment. Avec un texte de M. Fischer à Gibraltar. Là, je ne vais pas réussir à le lire jusqu'au bout, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, dans les souks, je vous rappelle que le monsieur donc, est rentré à la Légion étrangère à peu près en 1925, qu'il en est sorti à la fin des années 20, pour s'y réfugier de nouveau en 1939, où il a été récupéré par son épouse en 1940, et ensuite elle l'a planqué dans la Drôme, mais ça, j'y reviendrai. Aujourd'hui, dans les souks, une grosse juive s'est approchée de moi et m'a saluée en hébreu. Shalom. Les juifs du Maroc veulent que les blancs soient tous considérés comme des juifs, ou tout au moins leurs alliés. Je ne tiens pas à cet honneur. Monsieur Fischer, je vous ai dit, ça pique. Je pense encore une fois, le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes, il faut que ce soit dit une fois. Je ne pense pas oser faire ni avoir envie de refaire jamais ce que je suis en train de faire. Le texte d'Hélène Roger, à Sousse, en Tunisie, en 1965. Étant donné ce qui nous occupe ce soir et le sujet, si vous n'arrivez pas à lire, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Mais après, je vous préviens, je ne pourrai plus. Sousse, 1er février 1965. Écrit dans un café rotonde en plein air, disposé en hémicycle devant la mer, sur le golfe de Hammamet.
Trois jeunes filles de 18 ans discutent entre elles. On se montre les objets contenus dans l'un des sacs à main, puis on discute sur des problèmes de physique. Elles restent un peu cabotines. Elles ont remarqué que nous les observions et parlent fort en jetant parfois un furtif regard vers nous. Nous sommes si près d'elles que la conversation s'engage. On parle du pays, de leurs études. Elles n'ont presque jamais quitté la ville et ne connaissent que les très proches environs. Elles n'ont jamais vu le musée de la Casbah où nous sommes allées ce matin. Nous partons. Elles nous accompagnent en causant jusqu'à notre hôtel. En cours de route, nous apprenons qu'elles sont « israélites », entre guillemets. Nous qui, à Paris, les reconnaissons aussitôt à leurs traits ou à leur comportement, n'aurions jamais pu le deviner ici. Elles sont jolies, ont le regard vif et gai, ce qui n'existe pas chez les Juifs en Europe, qui ont le regard froid, distant, sans âme. 1965. Elles ont l'aspect sain. En Europe, les Juifs ont presque tous une tare, un tic. Ici, nous nous trouvons en face du juif oriental, tel qu'il devait être à l'origine, et c'est alors beaucoup plus sympathique. Il n'y aurait aucune hostilité contre cette race si tous étaient comme ces jeunes filles. J'espère qu'elles ne sont pas une exception ici. Le sucre et le miel de Rosh Hashanah est passé. On passe à autre chose. Excusez-moi, je tremble. Ceci explique cela. Je vous parlais de mon goût des difficultés. Les photographies que j'ai mises à l'aplomb des textes abjects que je vous ai lus sont plutôt réussies. L'abjection, la méchanceté d'Hélène Roger et de Jean Fischer s'adapte à tous. Personne n'est épargné. Comme dit ma régisseuse, je te rappelle qu'il déteste aussi les roues. C'est vrai. Tout le monde en prend pour son grade, ils sont vraiment d'une cruauté inutile. Je me suis aperçue, et ça fait partie aussi de l'histoire des agences de photographie, donc que la postérité, la notoriété, était venue en partie de l'usage que l'agence avait voulu faire des photographies réalisées par Hélène et Jean Fischer. Ils ont réalisé à peu près 100 000 photographies. De ces 100 000 photographies que j'ai regardées une par une et que j'ai éditées une par une, j'ai tiré les photographies que vous voyez à l'aplomb, donc de ces textes. J'ai édité ces photographies bien avant d'avoir accès à ces textes, bien avant de lire ce qu'ils étaient, de comprendre ce qu'ils faisaient et de la manière dont ils envisageaient les gens. J'ai édité ces photographies, et c'est le cas dans toutes les agences, pour qu'elles soient vendues, pour qu'elles aient du succès, pour qu'elles plaisent. Elles n'ont jamais été vendues du temps d'Hélène Roger et de Jean Fischer. Ils ont très très peu publié. Les œuvres, quand ils s'en targuent, sont en réalité les œuvres d'autrui. Ce qu'ils disent publier, c'est en réalité plutôt des illustrations, des ouvrages d'autres qui sont choisis par des iconographes. Mais le travail d'un éditeur photo, quand il aime la photographie et comme moi il aime le 6-6, choisit des belles photos et fait croire au monde que ces gens sont de bons photographes, parce que sur 2000 photographies, enfin sur 100 000, on en tire 2000. Mais n'empêche que la réalité finit toujours par ressortir. Je vous disais qu'Hélène Roger se targuait avec... Il viendra son époux très tard, en 1972 seulement, avec Jean Fischer d'être reporter. Elle note dès 1953-54 dans le Wouzou qu'entre 1940 et 1944, elle est, je cite, « reporter en Afrique ». En fait, elle fait un aller-retour très rapide au Maroc pour récupérer son légionnaire, qu'elle rapatrie. Alors, elle fait l'aller-retour au Maroc avec un petit mot du patron de Match à l'époque. Il y a une légende chez Roger Violet qui dit qu'ils ont publié les photographies de la guerre d'Espagne en 1936 dans Paris Match. Alors ils sont très très doués parce que Paris Match n'existait pas en 1936, donc c'est Match. Et ce qu'ils ont publié en réalité dans Match, c'est absolument pas des photographies de la guerre d'Espagne, c'est des photographies d'Henri Roger montrant ses enfants sur un balcon et qui s'appelle Paris vu de mon balcon. Mais on invente tout de suite, on se targue tout de suite d'être autre chose. J'ai trouvé une seule parution en 25 ans concernant la guerre d'Espagne, elle est signée Hans Fischer. Donc il se faisait appeler c'est Hans Victor Fischer, il se faisait appeler Jean Fischer, et c'est dans la dépêche de Toulouse. Alors on peut dire que sur l'international on n'y est pas tout à fait, mais j'en ai quand même trouvé une.
Donc elle se targue d'être partie en Afrique, elle a ramené son légionnaire, ils sont installés dans la Drôme, où ils montent une usine de savon qui s'appelle Novas, savon à l'envers, et dont ils vont imprimer dans l'esprit de leurs employés qu'ils n'ont pas bougé de la Drôme pendant toute la guerre, que l'agence Roger Violet, donc 6 rue de Seine, dans le 6e arrondissement à Paris, a été miraculeusement préservée. Si vous prenez des anciens écrits de ma part, même au tout début des années 2000, vous trouverez ce genre de choses. C'était avant que je m'autorise moi-même à creuser au-delà de ce qu'on me demandait de porter. En réalité, au bout d'un moment, on finit par gratouiller. Et puis, les cartes de rationnement sont aussi bien attribuées à la Drôme qu'attribuées au 6e arrondissement. Les allers-retours sont nombreux. Ils surveillent leurs biens sans aucun doute. Comment ils se conduisent exactement pendant la guerre, je n'en ai pas d'idée. Je n'arrive pas à retrouver vraiment des éléments qui me donnent une idée plus précise des choses. Alors les savons Novas, toutes les innovations, j'ai fini par mettre la main sur un brevet d'un fabricant à Pau qu'ils ont a priori complètement détourné pour leur profit. Ils sont installés dans la Drôme. Après, il y a Buis-les-Baronnies, ils sont à Pierrelatte. C'est quand même un endroit où il y a aussi beaucoup de réfugiés, ce qui me laisse perplexe étant donné leur comportement. Ils vont faire des photographies dans la Drôme pendant la guerre, pas à Paris, ou en tout cas pas encore identifié par nos soins comme étant leur production. D'ailleurs, la production Roger Violet pendant la Seconde Guerre mondiale est très maigre. Quand elle est riche pendant la première, parce que le père d'Hélène et ses oncles sont dans l'armée. Mais voilà, ils publient, apparemment pas du tout pendant la guerre, ils publieront après, en mode, comme on dit aujourd'hui, la vie continuait, il y avait des petites entreprises et on a su se débrouiller. Mais tout fait sens, tout fait commerce, tout fait chiffre d'affaires. Les cartes de rationnement que vous voyez sont celles de M. Fischer. Celle qui est à droite est celle de Louise Arlingue, l'épouse d'Albert Arlingue. C'est-à-dire que quand il rachète les fonds sont ventilés à l'intérieur d'énormément de classements. Donc dans la Seconde Guerre mondiale, vous trouverez aussi bien les cartes de rationnement, les tickets de rationnement, que des photographies achetées à des tiers et rangées par sujet. Dans, évidemment, les collections Roger Violet, soyons vulgaires, il y a les best-sellers. Dans les best-sellers, l'ironie veut que l'inventaire de la galerie Wildenstein soit une tête de gondole. J'ai envie d'être vulgaire, en fait, parce que c'est quand même, je trouve, très ironique. Il y a très peu de photographies en réalité qui soient rangées à spoliation, à saisie, et de fait, les recherches, quand on essaie d'aider, de vous aider, sont à orienter dans des classements extrêmement divers et extrêmement variés. Je vous ai, comme j'ai un petit peu plus de temps, ça va me permettre de vous l'expliquer, je vous ai mis une petite capture d'écran de la recherche spoliation sur le site du concessionnaire commercial. Donc les collections Roger Violet, c'est à peu près 8 millions de photographies. Elles ont été léguées à la ville de Paris en 1985. Le temps se venge, M. Fischer a assassiné Hélène Roger, s'est ensuite pendue en prison à Fresnes. Leurs biens ont donc été acceptés par la ville de Paris. Bon, il y a eu contestation des sœurs d'Hélène qui n'ont pas bien pris la chose. Ni l'assassinat, ni le legs des biens qui quand même rapportaient beaucoup d'argent. Mais ils ont légué à la personne publique toutes les photographies, les droits des photographies qu'ils acquéraient en même temps que les fonds des photographes, leurs biens mobiliers et leurs biens immobiliers. Douze vengeances également, les biens immobiliers ont tous disparu, les biens immobiliers ont fini par fondre. Mais reste les collections au sein donc de la réserve principale pour bonne part rue des Arquebusiers. Sachant que le local aujourd'hui du 6 rue de Seine est occupé par la société Delta Arts, qui, sous le nom de Roger Violet, qui est une marque dorénavant appartenant à la ville de Paris, exerce des missions de cession de droits et de valorisation de tirages modernes auprès des publics. Je vous disais donc que les collections Roger Violet, c'est 8 millions de photographies, un peu moins de 800 000 photographies numérisées, environ 250 000 en ligne. Tout ça pour vous dire que l'arbre qui cache la forêt, il y a des arbres qui cachent des petites forêts. Et que pour vous aider, pour vous renseigner, pour l'instant, il faut passer par nous, en ce sens que le catalogue en ligne des bibliothèques de la ville de Paris n'a pas encore eu le temps
d'absorber la production Roger Violet pour la désorber et la rendre consultable. Donc, quand vous interrogez spoliation sur le site du concessionnaire commercial, vous n'avez que 24 réponses, ce qui est intéressant, je trouve, au vu du sujet. Quand vous allez interroger saisie guerre, parce que nous avons fait, dans le temps, des grandes campagnes d'indexation, vous ne trouverez que 20 réponses. Évidemment, derrière tout ça, il y a beaucoup plus de photographies, beaucoup plus de réponses. Des fois, on est déçu, c'est ce que je dis régulièrement. Sollicitez-nous, on est régulièrement déceptif, mais il y a un moment forcément où on ne le sera pas, où on ne le sera plus, et où on en sera surpris, et vous aussi. En ce sens que les photographies sont rangées pour les tirages par sujet, pour les négatifs, soit par format, soit par auteur. C'est-à-dire que quand une photographie vous attire l'œil, une image, parce que souvent c'est en ligne, elle est accompagnée de son reportage, de ses corollaires, de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, de ce à quoi elle renvoie, parce que les pochettes ont été soigneusement légendées par nos prédécesseurs. Nous avons parfois les catalogues de référence. Nous essayons de mettre à disposition des chercheurs tout ce qui peut alimenter la recherche qu'ils font, jusqu'à vous sortir absolument tous les négatifs, les comptes fils, si ce n'est pas numérisé, tout mettre en haute def et vous donner accès à tout ce qui est numérisé. Pour trouver à l'intérieur des collections ce qui peut accompagner le sujet qui nous occupe ce soir, souvent le plus simple, parce que le classement de la Seconde Guerre mondiale est riche, mais encore une fois, vous le voyez sur le sujet, il est étonnamment pauvre. Le plus simple, c'est de répondre à vos attentes en termes de personnes. C'est-à-dire que vous chercherez une personne, un lieu, on va chercher la personne et le lieu. Roger Violet, c'est plus de 500 auteurs. C'est des milliers d'auteurs en réalité à la pièce répertoriée. 500 fonds qui se sont intégrés aux collections de la famille d'Hélène, à la production d'Hélène Roger et de Jean Fischer, de leur famille. Tout ça s'est mélangé et tout ça, en fait, devient les collections Roger Violet, mais avec des auteurs identifiés. De fait, dans ces différents fonds, on va avoir des portraits des personnalités avant, pendant, après la guerre, de leurs appartements, de leurs maisons de campagne, de leurs amis, parfois de plus que leurs amis, mais voilà, ce sont des photographes, là, donc on a les photographies d'Albert Arlinck, de Maurice-Louis Branger, de Pierre Choumoff, de Laure Albin-Guillot, tous ces gens accompagnent la vie française, essentiellement, en entrant chez les gens, ils ont tous un réseau social plutôt très étendu, Branger et Arlinck font des reportages chez les personnalités politiques et du monde littéraire, tous les jours, en photographiant énormément les intérieurs des personnes représentées, un vertical, une verticale, ils adorent photographier les maisons, c'est un grand plaisir, et c'est des choses qu'on a numérisées très tôt, d'abord parce que j'ai un tropisme pour les objets décoratifs assez maladifs, et ensuite parce que fouiller dans ces photographies donne énormément d'éléments très divers à tout le monde. Là, je vous ai sorti donc l'appartement de Georges Mandel, et je vous ai sorti aussi ce que l'on trouve au hasard parfois des boîtes. Ici, un petit mot donc du chef du service central photographique à Robert Delay, donc c'est le monsieur avec qui a gardé un berger allemand après la guerre, ça c'est bien. Donc qui a travaillé pendant toute la guerre, qui a plutôt bien travaillé. Mais à qui, manifestement, il n'a pas assez bien travaillé, puisqu'il a reçu le 8 juin 1942 un petit mot. « Monsieur, bien reçu votre dernière lettre, j'aimerais pouvoir vous donner le coup de main nécessaire, mais votre production est toute d'informations et non pas de propagande. Orientez-vous sur la série ou la photo de propagande pure. J'espère avoir bientôt le plaisir de vous voir. Dans cette attente, recevez, monsieur, mes meilleurs sentiments. » Robert Delay a tellement bien travaillé pendant la guerre qu'il est parti, si je me souviens bien, en Auvergne, à la fin de la guerre. Donc il y en a un grand trou dans le fond LAPI, les actualités photographiques internationales. Il revient pendant 15 ans, 20 ans, comme photographe officiel de l'Arc de Triomphe. La guerre, le trou, l'Arc de Triomphe. Nous conservons aussi bien le fond avant-guerre que le fond après-guerre. Inutile de vous dire qu'on utilise le fond jusqu'à la guerre et très peu les personnalités passées sous l'Arc de Triomphe.
Dans les collections Roger Viollet également, je vous rappelle que c'est une agence de presse, que le droit de la photographie change dans les années 50 et que jusqu'aux années 50, tout le monde a le droit de reproduire les photos de tout le monde. Le droit, ça ne se passe pas forcément bien, ça finit en coup de poing, mais n'empêche qu'il y a énormément de repros. Dans les collections Roger Viollet, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des repros. Donc c'est un internégatif réalisé en shootant un tirage existant. C'est le cas pour les deux photographies de gauche d'André Mauroy, devant sa bibliothèque avant d'être dévalisée, au centre après, ensuite par Boris Lipnitsky quand il a pu réalimenter sa bibliothèque. On essaie, et c'était l'avantage de ce qu'on avait créé en faisant des campagnes entières de numérisation, on a eu pendant très longtemps l'équivalent de ce qu'on appelle en bibliothèque un SIGB, c'est-à-dire un outil de gestion de collection informatique, mais qui a été malheureusement piraté et qui a des réponses maintenant un petit peu aléatoires. Mais voilà, ne négligez pas qu'une photographie n'est pas une image. C'est un objet en trois dimensions, qui a un dos, qui a une légende, qui a un tampon, qui a une histoire, qui fait soit partie d'un reportage, soit pas partie d'un reportage, qui a un auteur identifié, pas un auteur identifié, qui est un original, qui n'est pas un original. Tout est à sourcer, tout est à suivre, et les dos des photographies sont en général extrêmement éloquents également. Évidemment, pour suivre les faits de guerre, on l'a fait pour chercher dans les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères ne vont pas suffire. Elles sont mal et peu photographiées. Je pense que de plus en plus, on va avoir besoin de recourir au négatif, ce qui va nous poser des questions de conservation, parce que la période veut qu'on travaille très peu sur plaques de verre et beaucoup sur des nitrates de cellulose qui doivent être conservés au très froid. Donc on ne sort pas, en fait, les négatifs des réserves, sauf exception. Alors même que, voilà. Mais on numérise en très haute définition pour que ce soit lisible. Des ventes aux enchères, des inventaires chez Wildenstein, eh bien, faut bien arriver sur le trottoir au marché à la ferraille où le reste finit de s'écouler. Donc, il est toujours possible, en fouillant les photographies, pour ceux qui connaissent les objets qu'ils recherchent, de trouver au hasard des photographies un objet qui aurait disparu. De chercher aussi dans les photographies les détails. Je suis allée aux détails simples. Encore une fois, c'est mon côté faussement gaffeuse. Allons jusqu'au bout de ce qu'on peut lire dans les photographies. Il faut que ça sorte, il faut que ça ressorte. Il faut que les collections ne soient plus uniquement vues du point de vue de l'iconographie et de l'illustration. Donc il faut fouiller dans les photographies. Ce qui me fait penser que nous avons eu, quand j'ai commencé dans les années 90, un monsieur était rentré absolument furieux dans l'agence en expliquant que pas du tout, c'était pas du tout Céline au Cercle Arien en 1942. On avait tout le reportage. Le monsieur est parti pas content, je ne me souviens plus de qui c'était il y a longtemps. Mais c'était bien Céline au Cercle Arien en 42. On essaye, quand on a des contestations, quand on a des compléments, de sourcer ces contestations, de sourcer ces compléments pour que ça fasse partie de l'histoire de la photographie, d'arriver à accompagner avec le plus de textes possible et de renseignements ce que l'on conserve. C'est pas une gageure, évidemment, parce que sur 8 millions de photographies, on ne peut pas tout accompagner, mais tout ne mérite pas non plus d'être accompagné de façon extrêmement fin et extrêmement détaillée. Évidemment, dans les photos d'intérieur, on aura les photographies de décoration, très mal légendées, très mal attribuées, hélas, parce que beaucoup ont été réalisées ou par Boris Lipnitsky ou par Laure Albin Guillot pour des revues, essentiellement pour l'illustration, qui faisait beaucoup de reportages sur les intérieurs. Et hélas, nos prédécesseurs, alors je ne sais pas vraiment si c'était correctement légendé à l'époque, mais en tout cas, tout est devenu intérieur moderne. Je vous rappelle que l'agence Roger Viollet était là pour faire du chiffre d'affaires. Il ne s'agissait pas de dire que c'était l'intérieur de Madame Untel ou de Monsieur Untel. Quand on l'avait, je l'ai noté, mais il est chirurgien dentiste. Je ne sais pas qui est le chirurgien dentiste. Il n'empêche qu'encore une fois, dans ces photographies, dans ces appartements qui étaient publiés, on peut, puisqu'il y a le reportage derrière, retrouver, si l'appartement est identifié, des objets qui pourraient s'y trouver et qu'on peut retrouver. J'ai mis une photographie Lipnitsky. Oui. La
là, ça ne se retrouve pas. Ça se retrouve à décoration intérieure, appartement, avec le photographe s'il est noté, s'il est identifié. Sinon, c'est décoration intérieure. Le but, c'est d'illustrer un appartement moderne. On déshabille. Il y avait une valeur extraordinaire chez Hélène Roger et Jean Fischer, c'était « ne datons pas, on vendra plus longtemps ». Je suis arrivée en 1997, j'ai été chargée de toute la politique de numérisation. Ça fait 25 ans que je date. Ça fait 25 ans que j'attribue. Ça fait 25 ans que je suis de mauvaise humeur. Mais voilà. Et en plus, les flux se croisent. C'est à ça que servait à l'origine la numérisation et l'indexation. Nous avions transmué dans l'indexation du numérisé toutes les connaissances que nous avions des biens. Un pirate biélorusse a joyeusement mis le bazar dans tout ça. On arrive à recomposer les flux, mais en vous aidant et en connaissant le classement. Après, le plan de classement, il est simple. Il est volontairement simple et simplifié. C'est des grandes périodes historiques, c'est des grandes périodes géographiques par pays, avec des tranches évidemment chronologiques pour les événements, alphabétiques pour les lieux, alphabétiques pour les personnes. Je l'ai publié, le plan, vous l'avez dans Photographica. C'est facile de trouver. C'est pas pour jouer avec les mots, mais parfois, si on trouve pas, c'est pas parce que ça n'existe pas. C'est parce que c'est ailleurs. Les collections Roger Violet, avec mes collègues, on en conserve 4 millions de phototypes rue des Arquebusiers. On en a en dépôt, qui dépendent de nous chez le concessionnaire, 2 millions. On en a dans une chambre froide, 800 000. On a à peu près 100 000 tirages Lipnitsky chez un stocker. Qu'est-ce que j'ai dit ? 100 000 ? 600 000. Tirages Lipnitsky chez un stocker avec les albums. On a une cellule au CNC. On a un monopoly, Roger Violet, qu'on connaît, qu'on restitue, qu'on partage volontiers. Mais là, c'est vrai que notre effort, il est vraiment tourné vers les gens qui vont nous succéder, à organiser pour que ce soit lisible par d'autres que par nous, le plus vite possible, appréhendable le plus facilement possible, parce qu'effectivement, votre question est parfaite. C'est où ? Je ne sais pas. C'est beau, c'est super, c'est rangé à décoration intérieure. Mais une fois qu'on a cherché les deux cartons de décoration intérieure, ça commence à devenir joueur, puisque ces cartons de décoration intérieure ont un numéro au dos de négatif qui nous renvoie qui dans les chambres froides, qui dans un autre lieu de conservation, où on va ressortir la petite famille. Sauf que la petite famille photographique, les supports en verre ne sont pas conservés au même endroit que les supports souples, et il faut recomposer les petites familles. C'est un jeu des sept familles. Donc je vous disais, une bataille, effectivement, avec le séminaire qu'on mène avec Aurèle Cresson à l'École normale supérieure sur la matérialité de la photographie. Ne jamais oublier qu'une photographie n'est pas une image. On a besoin de son dos, on a besoin de ses marges, on a besoin des traces de doigts, on a besoin des commentaires, on a besoin des visas de censure qui permettent la publication au dos d'une photographie lapie. On aurait besoin des justificatifs à l'aplomb de toutes ces parutions qu'on a perdues pour bonne part, soit qu'ils n'ont pas été conservés, soit qu'ils ont été détruits par la postérité, mais tout fait sens, surtout dans des recherches telles celles que vous menez. Ça, c'est ma blague pourrie de la fin, mais je ne peux pas ne pas la faire. Je vous parlais donc d'Hélène Roger et de Jean Fischer avec cet ethnocentrisme en bandoulière et cette espèce de boulimie de photographie. Ils se vivaient avec un Leica autour du cou. Il se passait quelque chose sur le trottoir du 6 rue de Seine, ça galopait dans tous les sens et ça faisait des photographies. Alors c'était Jean Rochefort, c'était un jeune homme se faisant vérifier les papiers d'identité par la police, un groupe de musiciens passant dans la rue, on faisait la photo. Qui était classé à cinéma à Rochefort ? Qui était classé à police à contrôle ? Qui était classé à bohémien, musicien de rue, évidemment. Ils envoyaient aussi leurs employés faire des photographies. Ils achetaient des photographies à leurs employés. Je suis méchante, mais je pense que c'est quand même important de revenir au début sur le fait de toujours vouloir être dans la photo,
sur la photo. L'absence de surmoi est extraordinaire. Ce que je vous ai lu de Sousse en Tunisie, d'abject, sur les jeunes femmes qu'ils ont rencontrées au café, c'est en 65-66 dans le Ouzou, c'est la première année où Hélène Roger note qu'elle fait, je cite, « des reportages archéologiques et ethnographiques ». Je pense que vous apprécierez ce qu'elle juge comme reportage ethnographique. Alors, on peut se faire plaisir en se disant que ça n'a jamais été publié. Personne n'a jamais voulu publier leur prose, au point qu'ils l'ont publié eux-mêmes. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein, donc, ah, qu'il est beau ce tour du monde. Alors, ça a été très rabaissé. Très rabaissé. C'est devenu soft, presque, parce que nos prédécesseurs ont tout relu et ont dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, voilà, ça a été tempéré. Nous avons des photographies d'eux absolument partout, tout le temps. Le monsieur que vous avez à gauche, c'est un de mes anciens collègues, Alain Bonour, que je voudrais remercier, qui est à la retraite depuis des années, mais avec qui j'ai pu échanger sur toute l'histoire de cette maison, avec qui je continue d'échanger sur l'histoire de cette maison, qui est un monsieur d'une générosité exceptionnelle et d'une gentillesse exceptionnelle, et que ça amuse beaucoup quand je déterre des petits cadavres dans tous les coins, et qui me dit « Oh, ben ça !» Ils nous auront bien enfumés quand même. Mais enfumage pour enfumage, je vous ai mis à droite les boîtes que vous verrez quand vous viendrez rue des Arquebusiers. Je voudrais aussi remercier, même si ça paraît toujours un peu maladroit, mes collaboratrices, Martine Tichet et Aurore Karaitoglou. On est trois pour 8 millions de photographies. C'est bien rangé, c'est au cordeau. On vous trouve et on vous cherche les choses au plus vite que l'on peut. Nous, ce qui est important aujourd'hui, vraiment, c'est d'inscrire ces collections qui ont été données à la personne publique, qui sont entretenues sur le bien public, dont les droits appartiennent à la municipalité, de les partager, de les restituer. Et on pourra absolument jamais réparer les horreurs qu'ont écrites les fondateurs. On n'y est pas pour grand-chose, mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire que les collections servent aujourd'hui à autre chose qu'à illustrer ce genre de propos. Voilà, je vous remercie. Là, on est en PDF, donc la réponse est non. Mais vous avez mon adresse mail, c'est tout facile. @paris.fr. Non, pour que ce soit facilement visible et que je sois certaine que ça passe dans les machines, j'ai passé en PDF. Merci beaucoup pour ce coming out. J'ai violé. Ouais, mais ça explique, c'est vrai qu'on a, quand on a travaillé pour le répertoire, on a quand même reproduit aussi pas mal de photos, répertoire des acteurs du marché de l'art pendant l'occupation, que vous connaissez peut-être, et vous allez retrouver pas mal de photos justement dans le cadre de ce projet, et c'est vrai qu'on a été très étonnés souvent concernant les titres, notamment vous avez montré à l'écran... l'inventaire à la galerie Wildenstein en 1941, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, avec votre accord, on a un petit peu ajusté, parce que comme vous le savez aussi, cette photo qu'on porte, enfin, on le reproduit pour identifier notre séminaire. Et justement, là, on a ajusté, on a essayé d'ajuster un petit peu le titre, en mettant entre guillemets le terme inventaire, parce qu'évidemment... On comprend bien que... On s'est interrogé, nous, beaucoup sur le fait de saisir la presque totalité des titres, entre guillemets. Il y a une période où on s'est dit qu'on allait tout mettre, entre guillemets, pour ne pas chercher du tout à reformuler, à améliorer, à faire quoi que ce soit. Et ça a été très, très, très mal pris de la part des anciens documentalistes pour qui... Alors, c'est pas une question de parole d'évangile, hein, c'est pas le bon mot, mais il y avait des habitudes, en fait, de communication qui devaient perdurer.
Oui, mais c'est vrai, c'est vraiment, il y a un travail monstrueux à faire, rien qu'en analysant le titre et image. Et, oui, c'est vraiment incroyable, parce qu'on avait beaucoup de mal, en fait, à reproduire ce titre-là. Et, ouais. Je ne sais pas, David, tu veux... Merci beaucoup. Non, juste aussi une ou deux questions un peu pratiques, enfin, qui peuvent nous aider. Et merci d'abord d'avoir fait cette présentation à la fois globale et très précise. Et vous aviez beaucoup de choses à dire aux bonnes personnes, comme vous l'avez dit. Merci. Et merci d'avoir aussi présenté les choses de façon assez pratique en disant comment cela se passe. C'était un peu rapide, bien sûr, mais vous avez invité à plusieurs reprises l'auditoire présent ce soir et puis les autres, puisqu'on a la chance d'être regardé plus tard sur Internet, à venir vous voir. Inès et moi avons eu la chance d'aller vous voir sur place et c'est vrai que ça fait assez envie. On est un peu perdu, donc on aura besoin de vous. Donc vous nous avez invité à venir faire des recherches. Simplement, donc, dans les différents classements ou les différents thèmes, évidemment, il y a la question des artistes ou des œuvres d'art nous intéresserait aussi. Les intérieurs, alors classés comme ils sont, ça ne va peut-être pas nous aider beaucoup, mais si on passe en revue toutes les photographies, peut-être qu'on peut retrouver des appartements de personnes qui ont été spoliées, et on sait que c'est une façon d'identifier des œuvres. Du côté des artistes, est-ce qu'il y a des classements par artiste, par thème artistique, et également, y a-t-il eu y a-t-il des fonds qui concernent des ventes, des ventes, alors on a vu quelques ventes très particulières pendant l'occupation, mais des artistes qui ont pu prendre des photographies pour des ventes, pour la constitution de catalogues de ventes publiques peut-être, voilà, de ce côté-là, qui est une question qui nous intéresse évidemment beaucoup ici. Alors tous les artistes identifiés sont rangés en ordre alphabétique d'auteur, avec leurs œuvres, à leur nom. Pour les œuvres anonymes, elles sont reléguées dans anonymes avec la période. Et pour les salons, donc, nous sommes en train de terminer la numérisation de 30 000 pièces concernant les œuvres présentées au salon jusque dans les années 30. Alors c'est un petit peu elliptique, il y a des sections qui sont complètes, mais je pense très rarement. Concernant les œuvres des salons qui peuvent avoir parfois été photographiées aussi avant le salon, dans les ateliers d'artistes, tout va être mis en ligne. On envisage un partenariat avec le musée d'Orsay, donc maintenant c'est la nouvelle voisine, puisque eux ont numérisé les bulletins des salons, nous on aura donc les illustrations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et dans les salons, c'est le classement à l'intérieur, c'est on sait par artiste. Alors, quand l'artiste est identifié, ce sera noté. L'avantage, c'est que là, nous avons fait les inventaires. Donc là, les inventaires sont exhaustifs, les œuvres sont identifiées. Ce qui n'est pas identifié, on trouvera un moyen de mettre en ligne pour que ça le soit, pour retrouver le peu qui ne l'est pas. Et le bémol qu'on aura sur les salons, c'est que ce qui était rangé de façon homogène, c'était les plaques de verre et les supports souples en moyen format, donc du 9-12 cm au 13-18. Pour les formats excédents, ils sont répartis un petit peu partout dans les classements. Donc il faudrait qu'on balaye 600 000 pièces pour retrouver les salons plus grands. Mais on peut balayer et on peut retrouver. C'est vrai qu'on peut imaginer que c'est utile parce qu'on a souvent des... on peut avoir des noms d'artistes et des œuvres, on sait qu'elles sont passées par tel ou tel endroit, on n'a pas de représentation. Donc, de la même façon qu'on aura, on va numériser aussi. Alors, c'est vrai que là, c'est des photographies du garde-meuble, mais on a beaucoup de photographies de mobilier isolé que moi j'ai fait numériser il y a très longtemps. Mes collègues m'ont détesté. Ce que je vous disais, au bout du centième buffet Henri II, j'ai cru que j'allais le manger, le buffet Henri II, mais. En même temps, ils avaient voulu, ils étaient contents au début, mais je ne sais pas, au bout d'un moment, ils se sont fâchés. Mais n'empêche que ça existe. Mais j'ai envie de vous dire, platement, ça existe. Je pense que c'est mal légendé. C'est pour ça aussi que j'étais allée parler pour l'anniversaire du garde-meuble. J'avais fait l'outsider en disant, venez donc chez nous, prenez tout ce que vous voulez, prenez les photographies du garde-meuble, légendez-les, utilisez-les, et ils m'ont demandé de parler de Léopold Mercier au garde-meuble. Chic alors, mais n'empêche que c'est toujours très mal légendé. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte cette transformation, c'est-à-dire de, je disais ça bêtement de façon un petit peu cuisine tout à l'heure, mais de faire sauter la crêpe, c'est-à-dire que la crêpe, pendant des années, elle a cuit du côté du commerce,
Maintenant, il faut qu'on accepte que la crêpe soit lue du point de vue de l'information, de ce qu'elle contient et du cumul de l'information. Parce que je n'ai pas envie que le premier titre, tout erroné, fallacieux qu'il soit, disparaisse. Je ne suis pas du tout contre le principe du titre forgé qui existe en bibliothèque, qui veut dire qu'on refait un titre pour une photographie. Ces photographies qui ont été vendues pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans avec ce nom-là doivent le garder. Il y a un moment où ça fera sens pour quelqu'un sur la période. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière dans le PowerPoint. L'atmosphère, c'était l'appartement Georges Mandel, les trois photos que vous avez montrées. Là, il y en a. Voilà. La question, bon, on connaît très bien ces photos, et c'est on a beaucoup travaillé avec, mais la question que je me pose, parce que là on est avec Lapi, donc je suppose c'est Robert Delay, oui. Ou en tout cas quelqu'un de son agence qui a pris ces photos. Je vous parle des deux photos au milieu. Hein. Nous, on s'est beaucoup posé la question, c'est quand même, il y a une commande là. Est-ce que c'est vraiment les... Parce qu'il y a une autre photo, une troisième que vous n'avez pas montrée là, où on voit plusieurs Français ouvrir en fait l'appartement qui était sous scellé. Et donc on voit aussi que donc, le parti a un P qui va d'ailleurs s'installer dans les locaux de Mandel. Mais quelle était... quelle est ma question? Est-ce qu'il y a des étudiants, éventuellement des historiens qui ont travaillé là-dessus ou qui souhaitent travailler là-dessus? Quelle était vraiment la relation entre l'occupant et, par exemple, cette agence? Parce qu'on voit bien, tout ça, c'est une mise en scène pour dénigrer Georges Mandel avec le portrait qui à travers. Ce n'est pas par hasard, il rentre là, il fouille dans les affaires. Tout ça, c'est une mise en scène. Est-ce que c'est vraiment l'appui qui fait cette mise en scène ou est-ce qu'il n'y a pas éventuellement l'occupant nazi derrière qui commande, en fait? Alors, je ne pourrais pas vous répondre sans inventer la réponse, donc je n'inventerai pas la réponse. Par contre, je vais faire un pas de côté en rappelant que jusque très tardivement, n'importe quel photographe pouvait aller sur n'importe quelle scène sans être embêté. Il y avait une très, très grande liberté pour les photographes d'accéder, y compris quand il s'agissait de scènes de crime, de propagande, etc. Après, Inès, si ça se trouve, c'est une commande. On retrouvera un jour un papier de commande à l'agence Lapi, à Robert Delay précisément. Peut-être que je m'égare. Mais ne pas oublier que la photographie est un métier qui rapporte, est un métier qui alimente, est un métier qui accompagne. Les photographes sont de tous les moments de la vie, de la presse et de la propagande. Enfin, n'importe quelle presse. Ils sont très, très, très présents dès les années 20. C'est un métier... très présent. Et les gens se laissent très... Je ne parle pas... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est surpris, nous, de l'accessibilité et de l'accès que laissent les personnalités aux photographes. J'ai eu une discussion, je cherchais pour tout à fait autre chose, des renseignements autour de Boris Lipnitsky. Et je suis en contact avec le fils de Chagall, David McNeil. Et donc, je lui dis, bon, bah là, à ce moment-là, vous êtes avec votre sœur, truc, machin, vous en êtes... Il me dit, non, mais Delphine, moi, j'en pouvais plus des photographies passées à 50 par jour chez papa et maman. On les voyait plus. Enfin, il y a une facilité, une protection qui n'existe pas. Mais encore une fois, là, je parle pour la photographie d'Arlingue. Je parle pas... pour les deux photographies Lapi. Par contre, les deux photographies Lapi, ça peut être aussi bien un travail de commande qu'un photographe qui passe, qui connaît une des personnalités. La police, pendant très longtemps, est très, très, très copine avec les photographes. Et est-ce que là, il y a une documentation? Parce que vous avez montré tout au long de votre présentation, donc des lettres, on parlait là des photos. Est-ce que là, éventuellement, il y aura des... Est-ce qu'on peut trouver une documentation à ce moment-là? Voilà, comme vous dites, des commandes... Alors, sur l'API, on a quelques catalogues de références. Donc, on pourrait regarder ce que lui note dans le catalogue de références pour ces quelques photographies. Mais elle m'intrigue, moi, ces photographies, parce que Robert Delay, il y a des moments, je les trouve extrêmement bouchées. Je me demande si c'est vraiment lui qui les a faites ou si ce sont des repros.
parce que tous, hein, autant qu'ils sont, que ce soit Lapi, que ce soit Arling, que ce soit Maurice-Louis Branger, quand une photographie va manquer, ils vont reproduire la photographie du copain et la publier en même temps. C'est comme ça qu'on a dans les fonds de chacun des photographes des photographies des autres. C'est un jeu. Merci beaucoup, hein, c'est passionnant. C'est tout la problématique de comment est-ce qu'on fait passer l'objet photographique de l'illustration à la source. Voilà. Et puis comment on le source correctement ? Et ensuite, oui. Alors, moi, c'est la question que je me suis toujours posée, c'est pour ça que je suis content qu'on parle de l'histoire des collections Roger Viollet, c'est comment s'est fait l'absorption de tous ces autres fonds photographiques, Lapi, Arling, etc. À quel moment ça s'est produit ? Repart pour 20 minutes. Pardon ? On repart pour 20 minutes, mais je peux le faire. Non, ça sera dans les temps. Non, mais je peux. Mais non, parce je que peux, c'est, Didier, vraiment. Si vous voulez, au départ, on a... Non, mais tout petit. Si Lapi, c'est 76. Bien. Pardon ? Lapi, ça rentre en 76. Ah oui, tard. Ah bah, fallait finir l'Arc de Triomphe. et Arling ? 64. Mais il s'est racheté ? Oui. Mais donc, c'est quoi le modèle économique de Roger Viollet, ça parce que... Alors, je vais faire super court, en fait. Roger Viollet, 1938, acquisition du 6 rue de Seine par Hélène Roger et Jean Fischer, auprès de Laurent Olivier, qui se disait marchand d'images depuis 1880. En réalité, Laurent Olivier possédait déjà le fonds de Léopold Mercier et la diffusion de Alinari, Anderson et Brogi. Depuis longtemps. À l'intérieur du fonds Léopold Mercier, il y avait le fonds Forter, Michelez, Moretti et Dumto. Tous ces gens-là étaient installés dans les locaux d'une demoiselle Foncelle, qui elle-même avait repris les locaux de la librairie d'Orbon, installée depuis, en gros, la fin du Second Empire. 1938, achat par donc mes deux asticots désagréables, qui adjoignent à ce que je viens de décrire les fonds de la famille d'Hélène. Henri Roger, industriel, ingénieur, avec ses trucages. Son frère, Ernest Roger, inventeur avec Ducretet de la télégraphie sans fil. Les fonds de la famille Viollet. Le papa de la maman d'Hélène Roger est bibliothécaire à la faculté de droit à Paris 1. Tout le monde fait de la photographie. Tonton Archibald fait de l'aérostatique, mais on fait des photographies, tonton Archibald faisant de l'aérostatique. Tout ça est absorbé et désorbé. On va créer des classements. Je reprends ma blague habituelle parce qu'elle fonctionne bien et qu'elle est, je trouve, extrêmement parlante. Laurent Olivier classait Jeanne d'Arc à cheval. Ça marche pas commercialement. Mais lui, il avait plus besoin de cheval que de Jeanne d'Arc, puisqu'il vendait essentiellement des reproductions donc de botaniques et d'œuvres d'art aux étudiants du coin. Donc là, M. Fischer commence un plan de classement énorme qui s'arrête dès la guerre, puisque l'agence ferme pendant la guerre, et en 1945 commencent les rachats. En 1945, en octobre 1945, il rachète le fonds de David Rapoport, qui a été déporté, qui est mort en déportation, à l'intérieur duquel il y a le dépôt Schumoff. Ils vont, avec Rapoport, signer un accord de diffusion et verser des droits aux ayants droit jusque dans les années 90, jusqu'à ce que ça tombe dans le domaine public. Il y a ensuite donc la mise en place de ce plan de classement monstrueux. Au début des années 60, des acquisitions en gros volume, Albert Arling, Maurice-Louis Branger, Laure Albin-Guillot, Gaston Paris pour la première partie. Et ensuite, ça représente déjà 400-500 000 phototypes à absorber par sujet. Donc on garde les négatifs avec des numéros, on appose au dos du tirage le numéro du négatif qui permettra de refaire un tirage, et on alimente le plan de classement qui grossit, comme ça. Au début des années 70, ils vont acquérir le fonds du studio Lipnitsky,
un million de négatifs, à peu près un million de tirages, ventilés pareil, personnalité, sujet, etc. Et en même temps, ils vont acquérir pour un franc symbolique les fonds Ferrier-Soulier, Léon et Lévy, Nordheim, compagnie des arts photomécaniques. Donc géographie du Second Empire jusqu'aux années 70, couverture de Paris, puis de la France, puis des colonies, puis de l'Europe. Tout ça est rangé en ordre de cartes postales, puisque ce sont des éditeurs de cartes postales. Et ils vont adjoindre à tout ça des fonds, on va dire, plus anecdotiques, mais tout à fait passionnants, qui seraient par exemple le fonds Arlequin, sans H. C'est pas les livres, c'est les cartes postales. Famille d'Hélène, de cartes postales, on ajoute. Roger Berson, qui a travaillé pour Détective, on ajoute. Gaston Paris, une deuxième tranche, on ajoute. Tout ce monde-là est absorbé, désorbé. En fait, les fonds sont à la fois monstrueux et minuscules. Et le principe, c'est gagner des sous vite. C'est simple, c'est clair, c'est gagner des sous vite. Donc, ça a marché jusque dans les années 80. Et l'invention du clic droit en 98 et de Google a porté, on va dire, un petit coup à l'économie de la photographie, on ne va pas se le cacher. Aussi parce que les efforts de numérisation ont été très diversifiés entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que très rapidement, les États-Unis, sur des périodes équivalentes, ont numérisé par millions et par 10 millions et fait ce qu'on appelait à l'époque des CD-ROM de stock, où pour $50, $100, vous achetiez une fois $50, $100, vous faisiez ce que vous vouliez. Que en France, on menait une politique de numérisation. Je sais, j'en ai été la première victime chez Roger Viollet. J'ai été chargée d'inventer la politique de numérisation de Roger Viollet dans les années 90. C'était logique. Tout ce que les clients demandaient était numérisé. Tout ce qu'on jugeait intéressant était numérisé. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, la première, etc., etc. Mais oui, le modèle économique avec des photographies qui passaient de 500 à 1000, 1500 francs, 2000 francs. Ouais, je suis en francs encore. Et qui tombait à un zéro en moins avec des clients qui essayaient de zéro en moins. Bien sûr que non. Mais c'est la grande chance de ces collections. C'est qu'en réalité, ce qui s'est passé en 98 et qui alimente aujourd'hui toujours le concessionnaire commercial, parce qu'en réalité, il travaille sur des numérisations qu'on a faites de longue date. Il y a quelque chose d'important. Je vous disais, il y a 8 millions de photographies dans les collections Roger Viollet. Il y en a péniblement 50 000 qui servent. En réalité, vous n'en voyez que 50 000, et je pense que par an, il y en a 15 à 20 000 qui sont publiés. C'est-à-dire que cette locomotive commerciale a permis une œuvre patrimoniale. Ils l'ont pas vécu comme une œuvre patrimoniale. Et je trouve que c'est une ironie formidable. C'est-à-dire qu'ils ont monté une entreprise, ils ont fait œuvre patrimoniale simplement par un appétit, mais presque délirant. Ça a marché. Ils ont vécu, ils ont bien vécu, ils ont voyagé, les œuvres sont toujours là. Alors on a du boulot, hein, de rassemblement, il faut que tout soit logique, etc. Je pensais, Didier, y arriver en 30 ans, la réponse est non, je ne vais pas y arriver, mais ça sera ordonné. Mais c'est vrai que c'est à la fois vertigineux et minuscule. Et ce pourquoi aussi je suis très reconnaissante d'être là, c'est que derrière ces 15 000, 20 000, 30 000 photographies qui sont des piliers de notre culture visuelle, je veux dire que Jaurès au Pré Saint-Gervais, moi j'en peux plus, Bernanos par Albin Guillot, j'en peux plus, Édith Piaf et son accordéon, mais alors ça tient de l'écœurement, c'est toujours les mêmes. Et quand on propose d'autres, non, il faut rassurer le chaland. C'est compliqué de sortir de cette culture visuelle, de la même façon que sortir de la culture du texte donné. Mes collègues avaient une image, une légende. Si on voulait changer la légende, il y avait Boudry, mais la légende était souvent problématique. Moi, quand il fallait que j'aille chercher en Palestine, je me trouvais super en avance. Quand j'allais chercher en Indochine, je ne comprenais pas exactement où j'étais. Quand je trouvais Danzig, aussi bien à Gdansk qu'à Danzig, parce que M. Fischer avait très 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 mal pris que Danzig passe en Pologne, donc il avait exigé que ça reste aussi en Allemagne. Mes collègues m'ont raconté, en plus c'était effrayant, l'Allemagne commençant par un A, il s'est mis à tendre le bras
en l'air en disant il faut que Danzig reste à Danzig. Je crois qu'il y a eu un moment de sidération dans l'agence qui raconte très très bien. Il y a des blagues dans cette histoire, mais il n'empêche que c'était une maison privée. Oui, mais justement la chance, c'est que la puissance publique n'est pas reculée devant le bordel. Et... Elle n'a pas compris au départ. Oui, c'est ça. Elle a dit oui sans réfléchir, elle s'est pas rendu compte. Maintenant, elle commence à... Oui, au début, elle s'est pas rendu compte. Il y a eu d'autres questions. Bonjour. Bonjour. À partir des noms des photographes, est-ce que par déduction, on pourrait savoir, par exemple, quels étaient les photographes des salons ? C'est-à-dire que, on pourrait identifier des réseaux en quelque sorte de d'images, enfin un vivier d'images par photographe si on connaissait mieux les préférences ou le travail de chaque photographe. Est-ce que ça, on le connaît ? Alors, heureusement, sauf quand vraiment ils se sont ratés, et on continue, on attribue toutes les photographies. On sait qui sont les photographes des photographies, puisqu'il y a des crédits. On attribue des crédits. Les photographies ne sont pas publiées sans crédit. Donc oui, bien sûr qu'elles sont attribuées. Oui. Par contre, ce que moi j'ai modifié dans les attributions, c'est pour ce qu'on appelle les repros. Quand Albert Arling a fait une repro de quelqu'un, je refuse que la photographie soit créditée à Albert Arling. Elle sera attribuée au fonds Arling, mais anonyme, jusqu'à ce qu'on lui trouve son auteur véritable. Oui, oui, ça, de toute façon, on sait ce que les photographes ont produit. Et une autre question que j'ai par rapport aux artistes, puisque moi, je suis la fille d'un artiste et j'ai eu l'occasion de travailler dans des fonds photographiques. Je fais l'hypothèse qu'après la guerre, mon père à recontacter les photographes pour récupérer des photos des œuvres qui avaient disparu. Est-ce que dans les courriers, enfin dans la partie écrite, on peut trouver des correspondances, par exemple, entre des photographes et des artistes ? J'adorerais vous répondre oui, mais je crains que l'aspect archive et correspondance n'ait pas été jugé très intéressante par les fondateurs. Le fonds Lipnitsky, qui est une merveille intergalactique, j'ai un classeur d'archives. Parce que, par exemple, en ce qui concerne Marc Vaux ou Vizzavona, qui sont les deux photographes que moi j'ai identifiés comme ayant photographié à la fois les salons et les œuvres de mon père, je trouve des correspondances entre le photographe et l'artiste. C'est l'avantage de ces fonds qui sont... Alors, Vizzavona est passé par Roger Viollet, par exemple. Vizzavona a fait un petit tour chez Roger Viollet pendant quelques années avant d'arriver à la RMN. Parfois pas. En fait, c'est la partie à laquelle ils se sont intéressés, ça a été plutôt celle des catalogues de référence. Donc, ce qu'on appelle un catalogue de référence, c'est simplement l'ordre mathématique, numérique, pardon, des négatifs avec quelques légendes à l'aplomb. Mais pour les correspondances, etc., c'est dans un bazar épouvantable qu'on essaie, nous, de réparer. Mais il faudrait qu'on ait des dons d'ubiquité. Mais en fait, toutes les occasions sont bonnes. C'est aussi pour ça que je cramponne la chose. C'est que toutes les occasions de plonger autrement dans ce que nous conservons est édifiant. Sur ce point, les éléments quand même documentaires les lettres, les correspondances que l'on voit là, c'est classé avec les photos. C'est les repros de photos. Pardon. En fait, ils photographient les courriers. D'accord. Et parfois, on n'a pas les courriers. À chaque fois que quelqu'un est parti à la retraite dans les collections Roger Viollet, il m'a posé un petit carton. Voilà. Ah, j'avais pas rangé ça, dit-on. Ah. Voilà. Donc des fois je retrouve, des fois je suis surprise.
J'ai fini, mais il m'a fallu un temps important pour rassembler les catalogues de référence. Il m'a fallu un temps important pour rassembler les archives. J'ai du mal pour l'instant, mais là je pense que ça va fonctionner, à plaider la cause de l'ordonnancement des archives. Tout simplement parce que, alors c'est pas une question de prétention, c'est une question de temps, je suis vieille. Du coup, avec ce que je connais des collections, avec ce que m'ont transmis mes prédécesseurs, je pense que je suis à même d'ordonner les choses mieux que personne ne pourra le faire ensuite, en ce sens que j'ai travaillé avec ceux qui ont intégré les collections. Et que si j'arrive à mettre en ordre, je ne ferai pas de miracle, mais les gens qui nous succéderont pourront lire et profiter des choses sans s'égarer. Le but, c'est que les gens s'égarent le moins possible à partir de maintenant. D'autres questions de recherche à venir ou d'aide à l'orientation ? Saint-Cyr, chapelle, bien noté. Donc, pour une fois, on est un peu en avance. Donc Oui, donc peut-être juste pour bien clarifier, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, on a compris qu'il y a différents sites. Et je pense que le site le plus connu pour tout le monde, c'est quand même rue de Seine. Alors, donc maintenant, si on veut s'adresser à vous, il faut bien aller 3 rue des Arquebusiers. Oui, après, il vaut mieux nous appeler avant, parce qu'encore une fois, on est dans des réserves et on est 3. Donc, on reçoit tout le monde, il faut juste nous contacter. Oui, les réserves sont effectivement depuis le milieu des années 80 dans le Marais, à 2 pas de la BHVP, à 2 pas de Carnavalet aussi. On y conserve, je vous le disais, à peu près 4 millions de phototypes. Et on reçoit et on communique. Alors, ce qu'on communique aussi, c'est qu'on vous installe avec nous, avec nos mots de passe, et que vous avez accès à tout ce qui est numérisé. Ça, c'est aussi parce qu'on ne peut pas, nous, faire tout ce travail d'inventaire, de référencement, sans que ce soit accessible, sachant que c'est pour la recherche et que, voilà, il faut que ça alimente. Alors là, j'aurais une petite question. Quand vous dites tout ce qui est numérisé, parce que bon, on voit évidemment sur le site déjà ce qui est numérisé, mais c'est pas tout. Il y a plus de numérisations qui sont pas sur le site. Sur le site du concessionnaire commercial sont en diffusion à peu près 250 000 photographies. Il y en a 800 000 de numérisées en tout. D'accord. En fait, ça fait trop de bruit pour un site commercial. C'est pas par mauvaise volonté hein, qu'ils mettent pas tout en ligne. Hein. C'est juste parce que, encore une fois, nos campagnes de numérisation commencent en haut à gauche, finissent en bas à droite. Tout n'a pas vocation à être diffusé commercialement. La médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui numérisait ses fonds in extenso, avec comme diffuseur l'agence photo de la Réunion des musées nationaux, qui choisissait à l'intérieur des numérisations de la médiathèque, ceux qui allaient faire commerce. Encore une fois, Roger Viollet, 8 millions de phototypes, moins de 50 000 photographies véritablement vendues. Donc, les efforts de numérisation de la ville de Paris, maintenant, sont des efforts qui visent à l'aide à la recherche, au fait que ce patrimoine soit consultable sans altérer les biens, parce que, mine de rien, la photographie est un objet fragile. Donc voilà, mais on peine à alimenter, nous, à 3, la campagne, les énormes campagnes de numérisation. Donc là aussi, pour être transparente, on s'est attaqué au fonds Lipnitsky parce qu'on peut l'inventorier par reportage et que comme il nous est demandé à 3 de faire réaliser 100 000 numérisations par an, et ben voilà, on fait par reportage Lipnitsky, mais au moins ça sera fait. Non, la ville a un marché de numérisation. Entre 1998 et 2017, on a numérisé nous-mêmes. On avait un service de numérisation. Auparavant, on était la Parisienne de photographie, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose, parce que Roger Viollet, donc légué à la ville en 1985, accepté en 86, devenu en 2006, la Parisienne de photographie, une société publique locale avec des actionnaires divers et variés, la mairie de Paris, la Caisse des dépôts, la Caisse d'épargne, le Crédit municipal, et comme mission, la conservation des collections Roger Viollet et la numérisation et la diffusion de tous les patrimoines municipaux, dont Roger Viollet. Aujourd'hui, la société Delta Arts, donc qui exerce
avec la marque Roger Viollet rue de Seine, ne numérise plus. C'est un marché de numérisation de la ville qui est tenu en ce moment par la société Azintis. Et la ville de Paris verse au concessionnaire 200 000 numérisations par an à sa discrétion de les diffuser ou non. Et vous y... a pu. Elle a été dissoute en 2019. Et c'est logique. C'est logique. Il y a des phases, en fait, sur... ça va avec l'absorption, en réalité. La ville de Paris a dit oui en 85, mais je pense qu'elle a dit oui vraiment sans avoir aucune idée de ce à quoi elle disait oui. Et puis après, la ville de Paris était propriétaire d'une agence de presse, mais la ville de Paris n'a pas le droit de faire de profit. Donc il fallait bien créer une entité. Aujourd'hui, il faut continuer de diffuser. Tout n'a pas vocation à être gratuit. Donc il faut bien un concessionnaire commercial pour vendre des photographies à la presse, à l'édition, à la télévision. On a besoin d'un concessionnaire. Le concessionnaire, c'est la galerie. C'est la galerie, c'est la société Delta Arts qui a remporté le marché, qui exerce sous le nom de Roger Viollet, puisque la marque Roger Viollet fait partie du marché. Un jour, chacun reprendra son nom et ses billes, ça sera plus clair pour tout le monde, mais pour l'instant, vous savez, ça me fait penser à Molière, je ne sais plus dans quoi, c'est l'enseigne fait le chaland. Roger Viollet est un nom porteur. N'importe qui ayant envie de vendre n'a pas envie de se priver d'une marque. Au moins, la ville de Paris est propriétaire de la marque, ce qui est important. Et l'équipement, oui, est devenu une galerie qui propose des accrochages et qui vend des tirages modernes, des tirages numériques modernes. On peut continuer à vendre longtemps tout en datant. Vous disiez, ne datons pas, on vendra plus longtemps. Ouais, c'est plus sûr. C'est-à-dire quand vous avez une photo d'une écrevisse floue au fond d'un lavabo dans un hôtel des Caraïbes. Alors, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il tirait tout. Moi, je suis fascinée par le fait de tout tirer. Quand on parle des légendes, je me souviens d'une photographie au Cap-Vert. Je ne sais pas où je l'ai foutue, ça m'énerve depuis des années. C'est cadré comme ça. La dame, elle a le pied qui va là, l'autre pied qui est là. Il y a un chapeau au milieu, tout est flou. Quelqu'un a trouvé le moyen au dos de noter le numéro du négatif. Une légende au crayon papier rédigée sur une plaque de verre pour ne pas abîmer la gélatine. Femme caribéenne, marchant, en partie cachée par son chapeau. Oui et non. En fait, c'est beaucoup d'argent, mais quand après, ça n'existe, ça ne bouge plus. En fait, il y a un one-shot. Il y a celui des fondateurs qui voyagent, aux frais de la maison. Ce sont des voyages professionnels, ethnographiques. Ensuite, ils achètent le matériel, frais de fonctionnement. Ils ont des tireurs, employés. Les tirages, ils rentrent dans les boîtes. Ça prend juste de la place dans les boîtes. En fait, je sais que ça paraît toujours monstrueux quand on n'en est pas tenant, mais les collections Roger Viollet, ça rentre dans 1000 mètres carrés. C'est rien. C'est rien. Dans les années 70, 60, à Paris, un rez-de-chaussée avec des étagères, fabriqué aux ateliers de Montreuil avec des handicapés où on défiscalise. Pareil pour les boîtes, c'est une économie qui fonctionne. Il y a une boîte à thé dans laquelle on met les vieux élastiques, un saladier dans lequel on met tous les stylos quand il reste ça. Monsieur et madame ont travaillé toute leur vie avec des crayons papier qui faisaient moins de 5 cm. Faut pas gâcher. Non, c'est une économie de bon père de famille. Ça marchait bien jusqu'en 1985 où ça n'a plus fonctionné. Il y a eu fâcherie. C'était particulier. Moi, plus le temps passe, plus je... Alors, j'ai fini par intégrer pourquoi j'avais beaucoup de mal à travailler sur ces deux personnages. Il y a un moment, il faut se confronter aux faits. C'est-à-dire que... Vous voyez, là, quand je me suis dit, non, il faut. J'y arrive pas. En fait, il y a un moment, c'est vertigineux. Et c'est ce que j'ai dit à Inès et à David. Je suis confuse, mais... Le mieux de ce que je peux espérer, c'est qu'il y ait une marge de bêtise. Si
sinon c'est très inquiétant. Et heureusement que vous, enfin, vous verrez ce que j'ai publié. J'ai publié sur Lipnitsky, sur Choumoff, sur Laure Albin Guillot, sur Léopold Mercier, sur Gaston Paris, étonnamment assez peu sur Hélène Roger et Jean Fischer. Mais aussi parce qu'ils sont opaques. Ils sont opaques. Elle, elle revendique partout avoir été la secrétaire de Louise Weiss. Mes anciens collègues se souviennent d'avoir vu rentrer Louise Weiss dans la maison, claquant la bise à Hélène Roger, qui l'appelait Loulou. Je ne trouve de photographie nulle part, de correspondance nulle part. Elle n'est pas citée dans les biographies de Louise Weiss. Et la seule photographie de Hélène Roger à côté de Louise Weiss dans les collections, c'est une repro pour des gens qui faisaient des photos tout le temps. J'ai pas fini avec mes points d'interrogation, je partirai avec, mais j'aimerais bien en fait que des fois les choses tombent de l'armoire pour s'éclaircir, parce que la Légion étrangère, mes négociations avec la Légion étrangère ont été dantesques pour avoir le dossier. Enfin, c'est insensé d'avoir un dossier de la Légion étrangère. C'est très compliqué. Je suis supposée retrouver tout ce dossier d'enquête autour du meurtre. Personne n'est capable de mettre la main dessus. Tout le monde me dit, si vous veniez au tribunal voir comment c'est rangé, mon pauvre petit. Bah oui, mais le pauvre petit, normalement, un tribunal, il peut compter dessus. Les scellés, je suis supposée pouvoir compter dessus. Quand j'appelle Fren me répond, oh bien, on vient d'envoyer 5, comment ça s'appelle, les trucs de camion, là. On vient d'envoyer 5 bennes, puis de toute façon, le reste avait pris l'eau. Quand ça veut pas, ça veut pas. Enfin, c'est pour ça que quand j'ai retrouvé une photographie d'Hans Fischer dans la dépêche de Toulouse, mais j'ai fait une petite danse, j'ai cassé les pieds de tout le monde pendant une semaine. Alors que lui se vend, je vous promets, quand vous les écoutez, Robert Capa et Gerda Taro en Espagne, mais c'est rien. C'est rien, c'est eux la guerre d'Espagne. Ils ont vendu partout. En fait, ce qu'ils se targuent d'avoir vendu sont les photographies qu'ils ont achetées de Gaston Paris, des réfugiés passant au Pertuis. Eux, ils étaient en vacances en Andorre, c'est pas une blague, hein. Ils étaient en vacances en Andorre, ils ont passé 2 jours en Espagne, ils ont fait une pellicule. Et sur la pellicule de 6-6, 20 poses, il y a un petit veau en train de faire ses besoins. La guerre d'Espagne, sérieusement. Enfin, c'est à la fois un abîme de perplexité, de réjouissance et de navrance, de navritude, de je ne sais pas. Mais l'œuvre est là. Ce rassemblement délirant, c'est un rassemblement délirant. C'est une volonté de s'approprier le monde, d'être celui qui tient la reproduction du monde, qui va vous donner ce que vous attendez, qui va tenir aussi le temps. Ne pas vouloir créer le Vietnam, le laisser en Indochine. Ne pas vouloir intégrer les Juifs au classement religion. On est un Juif ? Ah ben non. Religion ? Non. Tout le monde est à religion. Sauf X. Moi, c'est... À chaque fois... Anomalie. Ils m'ont cassé le classement anomalie parce que j'ai bloqué devant le classement anomalie quand je suis arrivée. Il y avait homosexualité, gaucher, les gens qui louchaient. Bon, j'ai ricané. Mon collègue Alain Bonnour, qui était gaucher, m'a dit « ça fait 30 ans que je le prends bien ». J'ai dit « certes ». Un autre de mes collègues qui me dit « moi, je le prends pas bien, mon mec non plus ». Bah oui, forcément. Donc, ils ont cassé ce classement. J'aurais voulu qu'il reste, ce classement. J'aurais voulu qu'il reste. Comme Mani, mauvaise manière, où il y avait tout le monde en train de faire des doigts d'honneur, de tirer la langue, etc. C'était une façon de voir le monde à la fois ultra-personnelle et ultra-universitaire niveau licence. Ils n'embauchaient que des gens licenciés en histoire. Tout le monde était licencié en histoire, sauf Alain qui était licencié en géographie et moi qui étais docteur en histoire de l'art. Imaginez comme j'ai fait tâche. C'est-à-dire que je suis arrivée là, il fallait monter la politique de numérisation et envisager tout ça. C'est-à-dire que moi, vu d'où je venais, il était évident que c'était une source infinie de par ce qu'étaient les photographes. Enfin, Pierre Choumoff, qui arrive à Paris en 1911, qui est le dernier photographe de Rodin, dont le fonds est parti, Musée Rodin, parti dans les collections Roger Viollet via Rapoport, qui part créer la première République de Pologne, où il meurt en 1936. C'est fabuleux. Boris Lipnitsky, qui vient rejoindre un de ses frères,
qui sont rejoints par deux autres frères, qui sont rejoints par les parents. Tout le monde s'installe, monte ce studio, mais extraordinaire, rue du Colisée, qui produit, je sais pas, 3 à 5 spectacles par soir. Toute cette famille extraordinaire, enjouée, rigolote, avec une Udléa qui disparaît à Sobibor, tous les autres qui sont sauvés, et le neveu, qui est un bon à rien, donc il devient photographe, qui finit par vendre toute la production à Roger Viollet, qui ne s'intéresse pas aux archives, lui non plus, tout est jeté. Ça fait 20 ans que je fréquente la famille Lipnitsky, à chaque fois j'essaye, à chaque déménagement, comme je fais partie des gens qui font les cartons, je dis, on ne peut pas trouver un truc ? Non. Donc voilà, pour répondre, de temps en temps, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est Mais au niveau des réseaux et de qui a amené vers qui, ça, j'aimerais bien faire le tour. Parce que là, je commence à avoir les oreilles qui sonnent sur qui connaissait qui, et l'aspect rapace, récupération de photographes en déshérence. J'ai envie de vous dire, le métier est ainsi fait, le métier est toujours ainsi fait. Il y a toujours des gens bien intentionnés qui tournent autour des artistes quelques années avant leur décès ou quelques années après, ou des familles. Voilà. Mais là, au-delà de tout le reste, ils ont fait le boulot, c'est là, et nous, on peut le tordre pour en faire autre chose. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Delphine, pour cette présentation. Bah, finalement, on avait besoin de tout ce temps pour entendre cette histoire extraordinaire et étonnante. On se retrouve donc malheureusement pas en mois d'octobre, parce que la séance qui était initialement prévue a dû être annulée, mais on se retrouve en novembre, j'espère. 22 novembre. 22 novembre. De nouveau, parce qu'on a déjà parlé au printemps de la Suisse, mais pour parler du Kunsthaus de Zurich, avec deux invités qui seront là. Iris Herboder-Oswald, qui est historienne de l'art et qui a publié une biographie du directeur du musée Wilhelm Wartmann, et également un historien, Mathieu Leimgruber, qui parlera précisément de la collection Burle. Donc on revient à la collection Burle, que l'on avait en partie vue avec Jean-Marc Dreyfus et le procès qu'avait engagé Paul Rosenberg après la guerre. Et donc, voilà, donc les sujets toujours d'actualité. On retourne un petit peu en Suisse, et vous savez aussi qu'en Suisse, il y a des réflexions sur la création d'une commission de restitution, comme il y en a dans d'autres pays, comme il y en a en France. Donc on pourra également aussi évoquer cette actualité-là. Voilà, donc le 22 novembre, ici même. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup.